Et bonjour à tous, c'est Mister Funax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle. Avec nos skills. The skill. Spiritus. Spiritus. Okay, et super chance. Talentueux. Et vodka prod. Non, Volker. Alias vodka. 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 Eh, je veux que tu... je veux... Et quand tu vas dans la taverne, je veux que tu prennes l'accent russe. Je le veux. Vodka, hunt. Très bien, donc vous êtes finalement entré donc à Lithier, la ville qui était votre objectif, et vous arrivez sur une grande place. Vous trouvez ce bâtiment, il est détruit ou il est en construction, le bâtiment des, là-bas. Des gens occupés à diverses activités, et justement... Laisse-le parler. Une maison qui manifestement a brûlé. D'accord. Et plusieurs personnes sont occupées à nettoyer les dégâts. À votre gauche, donc ce grand bâtiment-là, apparemment c'est une auberge. Et ouais. En face, une petite pancarte indique boutique de l'alchimiste. Et d'autres autres maisons étant probablement des maisons d'habitation. J'ai pu proposer quelque chose. Ouais. Oui, peut-être. Que Spiritus et Volker, vous alliez dans l'auberge, pas pour vous bourrer, mais déjà cacher un peu Spiritus, parce que dans quelques heures, il va oui, perdre son... Oui, ne serait-ce que prendre une chambre, c'est vrai, ça. Oui, voilà. Ouais, et voilà, ensuite, moi et Okino, on va aux alchimistes pour alors, faire des moi, potions. Alors, moi, ce que j'aurais fait à votre place, j'y serais allé seul avec avec Valiel, et j'aurais laissé faire aller à l'auberge. Allez, avec Valiel. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle mon familier, mon compagnon. Oui. Ah oui. Hein? Ah oui, le petit champignon. Oui. Donc je vais y aller avec Valiel et je. Fanax, et vous allez à l'auberge. Inverser l'intelligence entre le PNJ de Frosty et le petit Valiel. Hein? Désolé, mais. Oh ta gueule. mais bon. du coup, mais Spiritus va sûrement avec Tinjur parce que faudrait genre le cacher un peu parce que bientôt on va le revoir en lui. Et je crois bien que personne. C'est vrai que. Et arrête, Volker. D'ici 2-3 heures, le talisman qui lui donne l'illusion, qui donne l'illusion aux autres, qui est un être humain, sera déchargé. Petit bien. Est-ce que moi, aller le reposer. Prêtre, ouais. Moi, en tant que prêtre, j'ai un peu de magie. Est-ce que je peux recharger une amulette? Je n'ai pas assez puissant pour ça. Volker, pas vraiment. Je suis seul à pouvoir. À la limite. D'accord. C'était au cas où. Par contre, mais juste, est-ce que. Sinon, ouais, vas-y. Sinon pour mon talisman, on pourrait tenter d'aller revoir le mec qu'on a croisé tout à l'heure. Oui, mais le problème, moi, c'est qu'il est massif. Plutôt tenté certes, d'aller. Il est louche, certes, il est louche, mais ça peut toujours être utile. Non, parce qu'il est dans un château et je te rappelle qu'il y a des tas et des tas de gardes. S'il y a d'autres lézards que celui qu'on a croisé, je ne pourrais pas tout le temps vous aider. C'est quoi ça? C'est une simple maison. D'ailleurs, je perds combien de points de psy de mana pour mon tour? Mon tour. Oula. Je suis en perdu. Mais par contre, du coup, c'est bien, oui, Tinjov va. Okino, excusez-moi. Va à l'auberge, mais avec Spiritus, parce que bientôt. Déjà qu'il a plus beaucoup. Bah, déjà qu'il souffre un petit peu, non? Si l'alchimiste vend de l'an, du poison et tout ça, il faudrait mieux pas qu'elle se retrouve avec le loup-garou en face d'elle. Mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Okino va avec Spiritus. Non, c'est dans Volker l'auberge. C'est mieux que ça. Je devrais même y aller seul. Il va falloir trouver un accord là. Alors. Ok, alors. Je vais donner un avis raisonnable. Disons que cacher un loup-garou dans une auberge, c'est pas génial. Bah alors, tu veux qu'on le fout tout dans la maison qui a brûlé, peut-être? Ce sera déjà moins cramé. Surtout pas dans le puits. Vous allez qu'à aller tous les quatre en même temps à un endroit. Ce sera plus simple. Ouais, mais après, ça fait beaucoup de peuple. Ouais, mais au pire, sinon, je propose. Okino et Spiritus, vous allez à l'auberge. Et Volker et... Ou sinon vous trois vous allez à l'auberge et moi je vais à la boutique d'alchimiste parce que je suis un peu le seul qui m'y connaisse un peu en poison et tout ce oui, qui est oui mais je de suis ce le genre. Seul qui sait bon, diplomatie avec les aller gens à la boutique de l'alchimiste pour faire avancer la quête, j'ai bien compris. Oui mais le problème non, c'est que c'est Frosty. Allez-y tous. Mais non, mais au pire vous allez tous les trois à l'auberge, moi je vais au truc d'alchimiste. Mais Frosty, je te rappelle que tu sais pas diplomatie avec les gens. Moi, pardon. Je suis bon diplomate et j'ai besoin de la dernière fois que t'as fait un social, le mec il t'a évité, il a regardé Spiritus à la place de moi, ok? Donc c'est moi qui ai gagné le dernier jet social. Bon, pour clarifier un peu. Juste, Fanax, tu peux pas transformer ce mec. On y va tous et Spirit Wolf il attend devant. Voilà. Le mec il va être tout seul quoi, on dirait un chien. Il sera jamais à trouver un accord. Tu vas pas le mettre endless non plus. Mais il sera pas tout seul, il sera avec Valiel. Du coup, je vais le laisser à l'extérieur. Ok. Ah ouais, ça peut faire une bonne alarme, ça.
C'est-à-dire je parlais de Valiel. Trois, vous vous approchez de la boutique. Ouais. Ouais. Ok. J'y vais en premier, merci. Oh, le mec qui me choura ma place. Vous vous approchez du magasin et vous voyez une petite feuille de papier sur la porte. Fermée. Je suis en vacances, revenu dans 3 jours. Pas ça. Une petite feuille de papier absente. Mais ouais. T'es sérieux? Ça fait 10 ans qu'on est en train de dire qu'il va... Oh. Voilà pourquoi je voyais aller seul, je sentais le coup venir qu'elle allait pas être là. Oh bah tu peux nous le dire, le mec. Mais non, en ce temps-là, Fanax aurait trouvé une autre solution. C'est elle là. Cette femme, elle donc, dormi, vous, là. Cette femme vous voit en train de polémiquer devant l'auberge et elle s'approche de vous en souriant. Pas une auberge. Vous cherchez à aller chez la chimiste, hein? Oui, tout à fait, madame. Bien sûr. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, vous êtes au moins les troisièmes à vouloir réclamer une potion. Et je crois qu'elle est partie au château, quelque chose comme ça. Quoi? Oui, le monsieur le seigneur a souvent besoin d'elle pour des services, des potions. Vous êtes sûr que c'est que des potions? Donc elle n'est pas loin. Parfois elle passe quelques heures au château, et puis elle revient. Elle n'est pas loin, ça nous rassure. Allons à l'auberge. Je peux juste poser une question? Je peux, entre guillemets, savoir pourquoi est-ce qu'il y a une maison brûlée à côté. Mais... Oui, c'est pas faux, c'est une bonne question. Bah, oui, on a un PNJ sous la main, faut mieux se servir. Ah, la maison brûlée. Eh ben, figurez-vous. Et là, derrière, tu entends les travailleurs qui soupirent. Purée, va encore leur raconter l'histoire. Eh ben, figurez-vous qu'il y a pas longtemps, il y a un ambassadeur dragon qui est arrivé. Merci, madame, merci. Et puis, Jean, il lui a mal parlé. Et le dragon, il a brûlé toute la maison. D'accord. Alors du coup, Jean et tous ses amis sont en train de nettoyer les décombres et puis ils vont devoir payer au moins 1000 draecs de dommages et intérêts. Merci madame. Maintenant, faut pas énerver les dragons, quoi. Non, oui, c'est sûr. C'est un non? Ah bah. Non, Nogar, il essaie de devenir. Si Jean n'avait pas énervé ce dragon. La maison de ce pauvre gars n'aurait pas brûlé. Et puis, on peut pas vraiment accuser les dragons et les faire payer des amendes pour une chose qui brûle. Le dragon ne s'appellerait-il pas... fâché avec l'Empire Draconique, vous voyez. Le dragon ne s'appellerait-il pas Mr. Fanax par hasard? Oh non. Et savoir que... Figurez-vous que oui, c'est mon cousin. Cette jeune femme a essayé de parler avec des étrangers. Ouais, bah bref, c'est une pipette. Merci, merci, chante dame. Maintenant, nous allons nous éclipser parce qu'on n'a plus envie de vous entendre. Au revoir. Moi, j'ai encore une autre question à lui poser. Toujours le mot de la fin. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès au château? S'il vous plaît. Accès au château? Bien sûr. Ah, bah, c'est pas bien compliqué, hein. Vous savez, tout le monde peut aller rendre visite au seigneur. J'aime bien ta petite voix. Comment? Faut juste être en bon terme avec les gardes. Ah bah, sinon il y a pas de problème, ça passe. Bah demander. Bon les gars, moi je vais à l'auberge hein, parce que sinon ça va chier. Vas-y, je viens avec toi moi. Volker, on y va deux. Les deux mages au château. Ah oui. Et sur ces mots, la dame repart dans les rues de la ville. Je crois que nous on n'est pas trop bon en social donc. Ouais, donc on va éviter d'y aller. En fait là on dirait que t'es en train d'écraser le cheval Spiritus. À moi. J'ai faim. Il y a le chinois derrière qui te regarde. Le cheval recule nerveusement. Il sait que t'es un loup-garou, il le sent, hein. Il le sait pas. Là, tu vois le dégoulis de bave là. Fais douce, bien, donc vous voulez aller à l'auberge maintenant? Ouais, ouais. Bah, nous on va y aller et vous allez au château. Moi je dis qu'il faudrait peut-être. Non, mais Volker, on y va tous les deux au château. Ça direct. Sert à rien de rester au château, vous êtes les plus doués au niveau social. Le talisman tiendra largement jusqu'à la nuit tombée. Le talisman tiendra. Oui, il devrait tenir. Ouais, mais il faut un truc spécial parce que sinon ça tombe. Non, il tiendra. On va aller dans l'auberge, on va prendre une chambre et on va vous attendre. Ouais, bah on va prendre la chambre, la suite la plus grande parce que quand tu te transformeras. Ouais. C'est occupé. Non, pas la suite la plus grande, prenez même une chambre un peu banale. Ouais. Il y a largement la place dans les auberges. Prenez un truc discret. Ouais, sinon ça va être la plus petite. Tellement. Une chambre de taille moyenne, tu dis pour 5 ou 6 personnes. Voilà. Ouais. Mais j'ai juste envie de m'imaginer. Parce que c'est une auberge normale. Sauf qu'en fait, les toilettes sont publiques. Et genre, vous ouvrez, là tu vois, c'est occupé. Occupé. vous allez réserver une chambre et les autres, ils font quoi? Bah, moi et mon cœur, on va aller au château. Vous allez aller au château. Ça va être là. Et puis techniquement. Moi, le mec, il m'écrase. C'est nous qui avons le meilleur social de toute façon. Surtout, c'est nous qui, comment dire, avons eu le meilleur rapport avec le voyageur qu'on a rencontré.
Bah, oui. Non, c'est pas vrai, moi j'ai essayé de faire un guili guili guili. Oui, mais ça n'a pas marché. Oui, avec les gardes et tout simplement le voyageur qu'on a rencontré. Mais... Et si vous voulez savoir le truc, regardez l'épisode précédent, merci. Donc, Okino et Volker s'éloignent vers le château pendant que vous deux, eh bien, vous poussez la porte de l'auberge. What? What the... Non, je crois qu'il y a un... Il y a un dragon. Oh non. Il y a un dragon. Oh non. Ok. Et donc, oh, mais je le connais ce gars. Mais c'est qui lui? Je connais pas moi. Oh, moi je connais pas mes. Si, c'est le mec qu'on a rencontré de tout à l'heure dont on parlait, le mage pété. Non, mais non, non, les gars, revenez parce que je sens qu'il va y avoir un fight là. Non, il y aura pas de fight, pas dans une auberge. On n'est pas là. Les gars, il y a 4 gardes. Il y a un mec avec un putain de dragon. Et un mec, quelqu'un que vous connaissez. Le dragon, c'est l'empereur dragon. Donc, c'est probablement le mec dragon dont on nous a parlé. Lui, il n'est pas méchant parce qu'il ne nous a rien fait alors qu'il pouvait tous nous tuer d'un claquement de doigts. Juste, Okino, techniquement... Ouais, le mec, il va rien voir. Tu vois rien. Ouais, techniquement, vous deux, vous vous taisez puisque vous êtes... Mais là, je... Très loin. Allez, voilà. on tente, Frost, on verra bien ce qui va se passer. On va se faire déglinguer. De toute façon, là, on ne peut plus revenir en arrière. Et vous entrez donc dans un bâtiment spacieux. Toi, tu peux plus revenir en arrière, moi je peux. À cette heure de la journée, commence à y avoir un certain nombre de clients. Et la première chose que vous voyez, bien sûr, en entrant dans cette auberge, c'est que la moitié du comptoir est occupée par un dragon vert, un haut dragon de taille moyenne. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers de Dragonia, c'est un dragon civilisé. Bah, je vais mettre un peu moins fort sur la musique parce qu'il y a mal grâce à ses oreilles. Donc il a l'air d'être en grande conversation avec ce bonhomme justement que vous aviez rencontré tout à l'heure. Je crois que t'allais dire une grosse conversation avec son assiette. Donc avec Ovarel, l'envoyé du gouvernement. Et pendant ce temps-là, diverses personnes sont en train de manger dans un coin. Quelques gardes sont attablés. Et il y en a un tout seul. Et oui, il y en a un qui est vraiment. En bas. Tout au fond. Pas d'amis. Et il y en a deux qui ont l'air de s'être disputés. Je le dis comme ça. Ah ouais. Méchant. Très bien, donc vous entrez, le dragon tourne légèrement la tête, puis retourne à sa conversation. Que faites-vous? On va aller à l'auberge, on va demander rapidement la chambre et on va y aller une plus chambre. Rapidement. Vous dites c'est pas la chambre, vous demandez une chambre et vas-y, occupe-t'en. Essaye d'éviter d'aller en public, Spirit. Reste là, ou pire, fais semblant de commander une bière, je sais pas, fais quelque chose. Bah, à part si Odenard bourré, hein, Volker. Mec, il est pas là, mais... Tiens, je vais mettre là-bas, tu vois. Et enfin, je vais tenter. Tu entres dans l'auberge. Ouais, un peu. J'essaie de paraître naturel, hein, évidemment. Faut pas le mec, c'est magique, d'un seul coup, tu vois tes griffes qui arrivent. Tu entres dans l'auberge et sur ton passage, le dragon tourne la tête et ponce les naseaux comme s'il sentait une sorte d'odeur déplaisante. Je continue de marcher, j'ai pas vu ou un truc dans le genre. Ok. Le mec, un dragon de 3 mètres de long. Les gens ne réagissent pas. Donc j'ai commandé une galette des rois. Hein. Non mais c'est vrai, il y en a deux devant moi. Alors, qu'est-ce que tu lui dis, Frost? C'est un gars ou une fille? Là, je crois que c'est une femme, ouais. Bonjour, gentille dame. Est-ce que vous. Déjà, elle est toujours plus grande que moi. Pourrais-je avoir une chambre? Bonjour, bienvenue à l'auberge au pied des montagnes. Vous voulez une chambre? Pas de problème, on en a plein. Est-ce que vous auriez des... Ah oui, mais ça sera après. Vous avez des chambres pour 5 ou 6 ou... Est-ce que vous en avez encore de disponibles? 5 ou 6? Faudra vous entasser pas mal quand même. On a des grosses chambres comme ça, ou sinon vous pouvez en louer deux petites. Oui, plutôt deux petites, parce que c'est vrai qu'on est cinq, parce que les deux autres sont partis faire des choses qu'on ne peut pas vous dire, parce que, voilà, et... Non, Frosty, il nous parlait de nous. Quel genre de choses, c'est illégal? Oh non, ils vont voir le roi, l'empereur de cette admirable contrée. L'empereur? Il y a un empereur par ici? Le roi, j'ai dit le roi, enfin bref. Le roi est par ici? Oh, il faut que j'avertisse les clients, vous êtes sûr?
Oui, mais il est. Enfin, il va aller Spirit le voir Frost à son château, bien sûr. Il y a Spirit qui le corrige. Le Seigneur Frost, le Seigneur. Seigneur, pauvre con. Oui, pardon, le Seigneur, oui, il est à son château et nos acolytes sont allés le voir. Désolé, je ne connais pas vraiment d'ici. C'est plus un de mes amis qui aime beaucoup. Voilà. Bon, Frost, disons que c'est pas très cohérent parce que tu es du coin, mais disons que t'as dit le Seigneur. Oui, voilà. Bref. Ah, d'accord. Ils sont allés voir le Seigneur. Oui. Eh ben, écoutez, je peux vous proposer deux chambres, oui, côte à côte. Ce sera pour une nuit. Oui. Eh ben, pas de problème. Très bien. Ça vous fera 15 drakes. Si, t'as assez. Spirit. Non, mais t'as assez. Ok, bâtonnet, du coup, je donne. Mais par contre, après, on me rembourse, c'est mort. Non, t'inquiète, on tuera assez de passants. Oh, on le dépouillera. Oui. Tenez. Très bien, merci. Eh ben, écoutez, vous voulez que je vous monte la chambre ? Je veux bien, merci. Il est là-bas. Alberto ? Oui, j'arrive. Et donc, pendant que vous discutiez, Ovarel, toujours en train de discuter avec le dragon, se retourne légèrement et vous ayant remarqué, il vous adresse un petit clin d'œil. Puis il continue à discuter. Et je lui retourne le clin d'œil. Dragon. C'est le mec. clin d'œil. Très bien, donc la gérante de l'établissement part vous montrer la chambre. Donc une chambre en bon état, avec plusieurs lits. Et que faites-vous ensuite ? On la suit, quand elle nous a montré la chambre, on s'y pose et on attend les autres. Très bien. On remarque, est-ce qu'on... ça serait bien... On la graisse, non, on commande un peu à manger et un peu à boire. Ouais, bah tu payes, hein, parce que j'en ai marre de payer, moi. Et quand on arrive dans la chambre, je lui donne une petite pièce pour nous avoir accueillis si bien. Et payé si bien. Enfin, si bien, ouais. Ça fait plaisir. Oh, une deuxième pièce. Donc vous voulez prendre à manger un peu? Ouais, à manger et à boire, c'est pas bien. Pour tout le monde, on en prend suffisamment pour tout le monde, on dit. Ok, donc ouais. Donc elle vous dit très bien, mais bien prenez une table. Je vais la réserver pour vous et vos amis. On prend celle-là là. Vous pourriez prendre celle-là, elle est libre. Non, ah, celle-là. Celle-là ouais. Ah, je dis rien. J'aurais plutôt dit celle-là, elle est un peu plus à l'écart. Ça aurait été non, plus... celle-là. On va faire dégager le mec qui est là. Bah, à mon avis, il va pas rester là éternellement. Non, moi j'éviterai de le faire dégager comme ça. Hein. Non, mais à mon avis, à un moment, bah oui, bon, genre on s'assoit là, oui, peut-être. Mais je sais pas parce que faudrait se mettre à l'écart. Parce que si jamais il y a un fight contre le dragon, oui, c'est pour ça. C'est pas super. Parce que là, mec. Mais si nous a. Si le dragon. Cette négociation pour une table. Si le dragon nous a fait un clin d'œil, ça veut dire qu'il n'est pas agressif envers nous et qu'il sait très bien. Pas le dragon, c'est bien l'homme. On se met là alors. Et bah, s'il discute avec le dragon, normalement on risque rien, donc c'est mieux de se mettre là-bas, comme ça on est bien loin des gardes. Ok, très bien, on va là-bas alors. Très bien. Je vous laisse cette table. Je me mets au bout de la table. Je me couvre avec mes tokens. Tu peux te mettre plus loin, tu peux mettre plus loin la table. Bon appétit, je vous livre ça tout de suite. Merci. Et donc, vous patientez en se demandant ce que vos amis peuvent bien être en train de faire. Nous on se barre. Dans 4 minutes. Ah oui. Donc vous deux, vous vous mettez en route vers le château. Il y a encore les deux tokens de. Oui, mais c'est pas grave. C'est des fantômes, c'est des hallucinations. Ouais. Et de toute façon, vous faites la même chose que nous, vous voulez faire. Oui, mon précieux. Merci. Voilà, et donc. Il est complètement. Waouh, j'adore ce cube. vous finissez par arriver. C'est tellement fait la mouise. Pour arriver au point le plus élevé de la ville où se dresse le château, qui est en fait une énorme tour, un énorme donjon. C'est normal que nous ne voyons plus les tokens. Peut-être, je sais pas. Bah, remettez vos tokens. Et on les verra. Je sais pas comment faire, moi. Non, mais toi, ah, on s'en fout. Ah oui, ouais. Tu. Voilà, et donc vous arrivez. Restriction budgétaire, tellement. Hop, très bien. Donc. Donc vous commencez à vous approcher et les gardes méfiants se rapprochent de la porte
et vous demande. Eh, bonjour. Vous voulez voir le seigneur? Oui. Tant que nous sommes de passage par ici, autant aller le voir. Ah, c'est à quel sujet? Nous sommes venus plutôt pour le saluer. Pour le saluer? Ne dérange pas son... Ne démange pas... dérange pas son Altesse pour saluer. Il a beaucoup à faire, vous savez. Nous sommes plutôt bons sur les problèmes. De quel problème souffre-t-il? Problème? Nous n'avons pas de problème, étranger. Tout va très bien. C'était juste nous une avons question, discuté avec lui car il se trouve que nous avons rencontré des personnes qui nous ne semblaient pas très très conviviales et que nous aimerions savoir si le seigneur est au courant. C'est tout plutôt courant pour le mettre au courant, si vous voyez ce que nous voulons dire. Ah, très bien. Des malfaiteurs, des hors-la-loi. On ne sait pas vraiment, mais on le pense. Et peut-être une partie juste émergée. Qui sait, il y en a peut-être plus, nous. Eh bien, bon, si c'est pour cela, mais pourquoi nous ne pas l'avoir dit plus tôt? Cherchez pas. Ouais. Même moi, je ne le comprends pas. On vous surveille. Vous D'accord. pouvez entrer. Et donc, ils ouvrent la porte du château et vous y pénétrez. Et il me semble que c'est la fin. Oui, c'est ça va, on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Je te parie qu'il y a une chance sur 10 pour qu'il aille voir le roi et qu'il fasse un échec critique. En fait, mon ami il s'appelle Spiritus et c'est un loup-garou. Mince, et en fait, faut le tuer. Mince. Pour la deuxième fois, c'est un seigneur. Enfin, un roi. Oui. Oui, c'est un. Mais oui, mais c'est voilà. Donc, Et donc, bon, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Oui, du coup. Ça va. Vous voyez comment est-ce que les cartes s'écartent beaucoup plus facilement quand nous deux on arrive. Oui, bah arrête. Nous, on était devant un dragon de 3m50. Tu vas te calmer. Même moi, je serais allé. Et vous avez de la chance que. Bon, donc, on arrête l'épisode ici. On va discuter un peu de notre côté. Donc, au revoir à tous. Le point strat. Et à la prochaine. Au revoir. Et c'était ciao, le ski. Les gens. C'était le ski, là.